Le réveil est difficile pour les fans de la série Friends. Ils ont tous perdu un ami, ce 28 octobre 2023, le comédien Matthew Perry, interprète inoubliable de Chandler dans la série américaine, est décédé dans sa maison de Los Angeles alors qu'il se trouvait dans son jacuzzi. Noyade, ou crise cardiaque. Les médias ne semblent pas détenir l'information sur la mort de celui qui a souffert de dépression pendant de longues années. Ses proches ont été vus à son domicile cette nuit, son père et sa mère ont accouru à l'annonce de la tragique nouvelle. Dévoré par ses addictions, et comme il l'a avoué, incapable de s'engager dans des relations à long terme, Matthew Perry n'avait pas eu d'enfant. Fiancé à Molly Hurwitz en 2020 après avoir batifolé avec Julia Roberts, neveu Campbell ou Yasmin Blitiech au temps du tournage de Friends, il ne s'est jamais marié, mettant fin à sa relation avec Molly Hurwitz en 2021 avant un éventuel mariage. Parfois, les choses ne fonctionnent tout simplement pas et celle-ci en fait partie. Je souhaite le meilleur à Molly, avait déclaré Matthew Perry auprès de People. Ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023. Les réactions à la mort de Matthew Perry. Peu après l'annonce du décès de Matthew Perry, le premier ministre canadien et ami d'enfance de la star, Justin Trudeau, a pris la plume sur X, anciennement Twitter. Le décès de Matthew Perry est triste et bouleversant. Je n'oublierai jamais nos jeux dans la cour d'école, et je sais que les gens du monde entier n'oublieront pas la joie que tu leur as apportée. Merci pour tous les rires, Matthew. Tu étais aimé, et tu seras regretté. Le studio Warner Bros. Television, qui a produit Friends, lui a aussi rendu hommage par le biais d'un communiqué de presse. Il a été un véritable cadeau pour nous tous. Nos pensées vont à sa famille, ses proches et tous ses fans, a-t-on pu lire dans ce dernier, rapporte Le Monde. Le studio s'est également dit dévasté par la nouvelle de la mort du comédien. Crédit photo, JLPPA.